personne là pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un C lundi. Je vais le faire très rapidement puisque je suis en pleine révision de partiel qui commence mercredi. Donc du coup, il faut que je fasse rapidement, donc pour que le plot soit rapide, le montage aussi et la vidéo aussi. Voilà. Donc du coup, on va commencer par ce que j'ai lu. Donc j'ai fini le tome 5 de Samidare, donc de Satoshi Mizukami. Édition Ototo Manga Shonen, un cinquième tome, donc c'est la moitié de saga. Donc cette fois-ci, on apprend encore une fois plus les passés des personnages, ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment ils ont reçu entre guillemets leur pouvoir de chevalier animaux, c'est ça. Donc c'est intéressant, la psychologie du personnage se développe, on comprend un peu plus leur personnalité, comment ils sont, pourquoi, leur choix. Donc c'est assez intéressant. Hop, hop. Après, j'ai lu un roman, donc Divergente tome 3. Donc la chronique est déjà sur le blog. Donc c'est la suite et fin de la saga Divergente, qui sort le 15 mai, audition Nathan de Véronica Ross. Ross, je sais pas comment on dit. Un livre que j'ai bien aimé, qui m'a beaucoup surpris, puisque principalement, il y a un double point de vue, donc on voit le point de vue de Tobias et de Tris. Sinon, je ne sais pas plus, parce qu'il y a beaucoup de révélations. On apprend la fin, les fins mots de l'histoire. Une fin très bizarre, enfin, bizarre dans le sens où c'est inhabituel, surprenant, et je vous laisse découvrir pour vous-même. Voilà. Si vous avez aimé les autres tomes d'avant, vous aimerez celui-ci, sans problème. Voilà. Et il est tombé. Super. Au moins, il n'ira pas plus bas, comme ça. C'est l'avantage. Après, j'ai lu un autre livre, mais c'est le magnifique livre. Je pense que c'est le livre que j'ai préféré cette année. Franchement, un vrai coup de cœur. Il s'agit de Maths en pratique. Et oui, c'est super intéressant. De François Lirette. C'est un livre de cours. C'est super magnifique. Avec des belles courbes asymptotes. Des belles courbes, avec des belles équations. C'est génial, magnifique. Je vous le conseille pas. Voilà. Nickel. Dans le sens où c'est chiant en fait. C'est ça. Et du coup, enfin, j'ai fini. Non. J'ai pas tout lu. Je suis en cours dessus. Je travaille, je planche. Voilà. C'est nickel. Donc, est très chiant. Donc du coup, sinon, je suis en train de lire, comme annoncé la semaine dernière, l'intégrale numéro 1 de Game of Thrones. Donc le trône de fer en français de Martin George R.R. Martin, donc je pense que tout le monde connaît avec la saga, hein. Pas besoin de préciser, j'en suis au tout début, vous pouvez le voir avec le marque-page T'es tombé, avec un marque-page bidon. J'ai trouvé ça premier venu, voilà, donc nickel. Ah, nickel pour ici, donc un gros pavé, hein. Donc je vais mettre du temps, je pense, à le lire. C'est même peut-être pas dit que je lise en parallèle à d'autres livres, parce que vu l'épaisseur, même si dedans il y a plusieurs tomes, il y a deux ou trois tomes, je sais plus en celui-ci, donc je sais pas si j'irai trop d'affilée ou si je vais faire un tome, une pause, peut-être, je sais pas, faut jouer comment j'avance, parce que le style déjà dans le prélude est déjà assez bizarre, c'est écrit assez bizarrement, il y a des mots, tu te demandes pourquoi ils sont comme ça, la tournure des phrases aussi, c'est assez chelou, donc bon, à voir. Hop. Et je suis aussi du coup en parallèle les soirs où j'ai la flemme de lire un pavé comme ça, un manga, toujours sympa d'avoir un manga, donc bien sûr la suite de Samidare, le tome 6, toujours chez Ototo Manga Shonen. Donc là j'en suis, j'ai dû lire 3 pages hier soir comme je suis rentré tard, donc je sais pas, donc je peux vous dire plus dessus. Et bien sûr, vous pouvez vous en noter, ce que je vais lire la semaine prochaine, la suite, donc tome 7 de Samidare. Peut-être même le tome 8, 9, mais je sais pas. Pour l'instant, j'ai le tome 7. Et un autre livre que je n'ai pas encore, puisqu'il n'est pas sorti, je pense que ça va être La Sélection, tome 3. Donc, Les Élus de Kirakas. Édition Rebelle. Non, pas Rebelle, c'est R, collection R. Donc, de chez Albin Michel. Je sais plus. Il y a tout le monde Michel là-dedans, je sais plus. Donc, collection R, en tout cas. Donc, voilà. Pas encore sorti. Il sort mercredi, donc le 15. Ouais, non, jeudi. Jeudi 15. Donc tu sortiras jeudi. Donc jeudi, j'irai acheter après mon partiel. Donc voilà. Comme ça, au moins, je l'aurai dit à temps.
Et il faut que je vois si je lis, puisque ce week-end, donc le week-end du vendredi 16 au dimanche 18, il y a la sixième édition du Challenge à 1000. Donc il consiste à lire 1000 pages. Donc je participe. Peut-être qu'il sera lu. Je pense pas attendre les 1000. Je sais pas. On verra bien. Donc bon. Voilà. Donc c'est un petit mail. Petit samedi. Donc désolé pour ceci. Il faut que je fasse au plus rapide. Je sais pas du tout s'il y aura un samedi la semaine prochaine. Parce que je serai en plein examen. Donc ça serait génial. Nickel. En plein examen de physique. Donc je sais pas du tout si j'aurai le temps, si j'aurai la motivation, l'envie de faire une vidéo, surtout le temps en fait, de faire une vidéo pour lundi prochain. Donc il n'y aura peut-être pas. Voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, à commenter, à me dire ce que vous lisez, si vous avez lu le livre que j'ai lu, si vous êtes en examen aussi, si vous faites rien aussi, c'est plus cool. Donc, mais sur ce, bah, je vous dis peut-être à la semaine prochaine, ou à bientôt. Tchuss.